Le Titanic était le plus grand et le plus luxueux des paquebots au monde. Son naufrage au large de Terre-Neuve restera dans l'histoire des médias comme l'un des premiers exemples de l'information instantanée diffusée à grande échelle. La nuit du naufrage, dans les locaux de l'Associated Press à New York, le journaliste Charles Crane patiente tranquillement. Pendant ce temps, en mer, le Titanic allait percuter un iceberg. Très vite, cet homme qui avait les pieds sur le bureau allait apprendre d'une station radiotélégraphique au Canada qu'un événement majeur venait de se produire et que cet événement allait devenir la plus grande histoire du siècle. Quand Charles Crane est informé de l'accident, le Titanic a déjà commencé à sombrer. Il ne lui reste plus que 2 heures avant de disparaître définitivement sous les eaux glacées de l'Atlantique. Pendant plus d'une heure, le paquebot envoie des messages de détresse qui sont captés par d'autres navires. En quelques instants, l'information atteint les stations de radiotélégraphie à terre et se répand jusqu'à New York. Le système de télégraphie sans fil de Marconi était un système assez nouveau. C'était la première fois qu'on l'utilisait véritablement pour couvrir un événement international. L'information était transmise partout dans le monde en quelques instants. Les messages télégraphiques transmis par le premier navire présent sur les lieux du drame se retrouvent quelques heures plus tard sur des panneaux d'information affichés dans New York. Parallèlement aux circonstances de la catastrophe qui tentent d'être expliquées, des histoires de survivants commencent à être relatées, des méthodes que l'on retrouve dans l'information moderne. Le Titanic a jeté les bases de la couverture médiatique des catastrophes. La façon dont sont traités les différents désastres aujourd'hui trouve son origine dans le Titanic. Les riches contre les pauvres, l'orgueil de la technologie qui se veut infaillible. Le Titanic était considéré comme insubmersible. En fait, on disait qu'il était quasiment insubmersible. Le mot quasiment a été ignoré en quelque sorte. La responsabilité, les investigations, tout ça remonte au Titanic. La chronique du naufrage du Titanic est conservée dans les archives de l'Associated Press. Des dizaines de fiches retracent le fil des événements. Le premier bulletin d'information de l'AP écrit « La nuit dernière, le Titanic a transmis un message de détresse indiquant qu'il avait percuté un iceberg. Le paquebot demande une assistance immédiate. »